Donc les gars, on se retrouve là pour une toute nouvelle vidéo sur la présentation de mes cadeaux de Noël. Donc j'ai eu pas mal de leurres. Donc on va commencer par les premiers leurres. Donc c'est des Swing Impact de chez Ketek. Donc ils sont blancs. Blanc pailleté. Je vais les ouvrir. Oula. Donc voilà. Voilà comment ils sont. Donc je crois qu'il y en a 10. Donc je vais les tester, mais pas aujourd'hui. Donc les voilà. Donc ça, c'est plus des leurres pour le cendre. Donc voilà. Donc voici les premiers leurres de chez Ketek. Donc, je vais les mettre là. Donc les deuxièmes leurres que j'ai eu, c'est pareil. Des Ketek orange, cette fois-ci, pour le sang, de la perche. Donc, c'est en quelle taille? C'est des 7 cm. Pareil que les blancs. Donc, je vais les ouvrir. Donc, voilà comment ils sont. Pailleté orange. Donc, pareil, il y en a 10. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mes comme ceci. Hop. Donc voilà. Donc après, j'ai eu avec ceci, j'ai eu des petites têtes plombées Caperlan. Donc c'est des, il y en a 4 et c'est des 3,5 grammes. Donc les voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les ouvrir et je vais monter des petits Swing Impact. J'ai du mal à les ouvrir. Donc voilà. Donc voilà les petites têtes plombées. Donc, je vais monter ce petit leurre là. Donc, je vous ferai une petite vidéo quand je les testerai. Donc, les voilà, montés. Et du coup, après, je montrerai, je vais monter les jaunes, les oranges. Donc les voilà comment elles sont mises. Avec ceci, j'ai eu d'autres têtes plombées. Donc pareil, de chez Caperlan. Donc ceux-là, c'est des 2 grammes. Donc je l'ai monté sur le petit Rock Vibe que j'ai. Je vous ferai une petite présentation de ma boîte avec Louis. Avec ceci, j'ai eu encore des têtes plombées, cette fois-ci pas en 2 grammes mais en 5 grammes. Donc les voilà. Donc pareil, je vais les ouvrir. Donc je sais pas si ça sert à quoi ça. Donc les voici. Avec ceci, encore, là, ça va être un leurre. Et un leurre qui est plus pour l'été. Un popper. Donc, ça, j'ai une petite mare à côté de chez moi. Enfin, c'est à, ça appartient à moi. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment je vais l'animer. Donc, c'est pas pour, pour en ce moment parce que l'eau, elle est haute. Donc, je vais l'ouvrir. Donc le voici, dans un petit truc en mousse, un petit peu. Donc il a des petites plumes à l'arrière, je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, le petit popper. Donc je vais le tester, mais bon, c'est pas rien à prendre avec, c'est juste pour vous montrer un petit peu. Donc les gars, je vais vous montrer
le petit popper. Donc voilà, là je l'anime un petit peu comme un stick bait. Une petite canne. Donc c'est une canne à feeder. Donc hier j'ai monté le fil dessus. Donc c'est une petite canne simple. Donc là je vais aller l'utiliser juste après pour la tester. Donc c'est une 20-60 grammes. Donc voilà. Je vous la présente un petit peu plus de plus près. Avec ceci, enfin, ça va toujours avec, mais j'ai eu les petits sions qui vont avec. Donc là, celui-ci, c'est un 40-60 grammes. Donc voilà, ça, on peut prendre du poisson. Donc j'en ai eu un autre en 20-40 grammes. Donc pareil, pour prendre du gardon, un petit peu de carpe. Et du coup, j'en ai d'autres, des petits sions. Donc c'est les mêmes. Donc voilà le tube. Je vais l'ouvrir. Donc bah, là c'est la même, c'est en 20-40 grammes. Donc, et celui-ci en 40-60. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et allez, salut! Donc les gars, c'est pas fini la vidéo. Parce que j'ai encore eu un cadeau. Et ce cadeau-là va vraiment servir parce que c'est une caméra. Alors avant, je filmais avec mon téléphone. Je sais pas si vous savez. Donc là, la boîte. Donc attendez. Donc voilà la boîte. Donc c'est une essentielle B. Donc la petite boîte, je l'ai reçue comme ceci. Je la présente de plus près. Donc je vais l'ouvrir. Je l'ai déjà ouvert mais... Donc là je vais aller tourner une petite vidéo là avec la petite canne à feeder. Donc là voilà la fameuse GoPro. Enfin, c'est pas une GoPro, c'est plus une caméra, mais ouais. Donc, là, voilà. Donc là, elle est dans le caisson. Donc c'est un caisson étanche, donc je vais l'ouvrir. Attendez, parce qu'elle est assez dure à ouvrir, cette caméra. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Hop. Donc voilà. Hop. Donc voilà le caisson. Hein. Donc là voilà. Comme ceci. Donc je vais l'allumer. Donc là voilà, elle s'allume. Donc voilà. Donc là je vais l'éteindre parce que j'ai rien à filmer. Hop. Elle est éteinte. Donc je vais la remettre dans le caisson. C'est pas compliqué. Hop. Merde. Hop. Donc j'ai pas mal d'accessoires. Donc ça, comme petit accessoire, c'est un accessoire pour mettre comme une perche. Ça, c'est un accessoire aussi pour le vélo. Donc là, j'ai la petite télécommande.
Donc en gros, au lieu d'appuyer sur le bouton quand je filme, par exemple si je suis sur mon flat tube, au lieu de chercher le bouton, et ben j'aurai juste à appuyer sur la photo là ou la vidéo qui sera là. Avec ceci, le plus important, c'est ça. C'est le petit harnais. Donc le voilà, donc j'ai déjà mis le petit support. Comme ça, j'aurai juste à fixer ma caméra. Et ce qui peut servir aussi, c'est le petit harnais, mais à mettre sur la tête. Donc voilà. Donc je vais aller tester cette caméra, puis je vais vous en dire plus. Allez, salut!